Bonjour à tous et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente l'écran de chez HKC, à savoir le Handgamer. Donc, c'est un écran 32 pouces en 144 Hz. Je vous montre vite fait la boîte, comment elle est. Très stylée, hein, vraiment, je suis impressionné. Nous allons l'ouvrir. Je vais vous montrer également ce qu'il y a dedans. Et ensuite, on va le tester ensemble. Donc, nous avons ouvert la boîte. Donc, je vais vous présenter ce qu'il y a dedans. Premièrement, vous avez le pied. Donc c'est un pied qui est assez rigide, qui est quand même un petit peu lourd malheureusement, donc protégé avec des papiers bulles. Donc il faudra le monter une partie au niveau de votre setup et l'autre partie au niveau de l'écran. A savoir également qu'ici vous avez un vidéoprojecteur qui permet en fait de montrer la marque. Donc il faudra l'allumer ici et le connecter sur l'écran. Ça c'est le premier truc. Donc, on va le poser quelque part, on s'en fout, on va pas s'emmerder. Voilà, ensuite vous avez... Donc ça, c'est la suite du pied. Voilà, c'est la suite du pied. Donc c'est pour les pieds arrière. Hein. Ça, c'est pour les pieds arrière. Donc pour le positionner. Donc vous en avez déjà un ici que je suis en train de vous montrer. Et ensuite, vous en aurez un autre qui est quelque part. Il est là, voilà. Bon, par contre, c'est mal rangé. Voilà, donc vous en avez un autre ici. Donc ça, c'est un autre pied. Donc il faudra le monter également sur le socle qu'on a vu avant. Voilà. Ensuite, on a du polystyrène, mais ça, personnellement, on s'en fout complet. Et là, on peut montrer à la caméra, en fait, ici, vous avez l'écran. Alors, c'est un écran 32 pouces, donc c'est du 80 cm. Ce qu'on va faire, en fait, hors caméra, on va vous faire sortir et on va vous le montrer hors caméra. J'ai oublié vite fait, donc quand on a sorti l'écran, vous avez des câbles. Donc là, on a un câble HDMI 2.0. Que je ne vais pas utiliser parce que je préfère largement l'utilisation du DisplayPort. Voilà, donc ça c'est un câble d'alimentation. Vous avez le bloc ici. Ça c'est un support également. Support écran. Ça c'est pour pouvoir le brancher. Et là vous avez... c'est un DisplayPort. Voilà. C'est un câble DisplayPort. Bon là vous avez également les manuels. Mais clairement on s'en bat les couilles. Avec des vis pour pouvoir le monter. Donc ça, on va tout enlever. Voilà, ça dégage. L'écran qui est bien protégé. Hein. Qui est très bien protégé, c'est impressionnant. Donc on va le sortir et on va vous le montrer. Voici l'écran. Voilà, l'écran se présente comme ça. Donc c'est un écran 32 pouces avec une dalle VA. Alors, pour faire simple, vous avez trois dalles. Vous avez une dalle TN, donc qui va améliorer les couleurs, mais qui ne sera pas très fluide au niveau des jeux. Vous avez également des dalles IPS, c'est pas le mieux vraiment pour les jeux vidéo, mais vous aurez des couleurs beaucoup plus vives. Et vous avez des dalles VA qui est clairement le best. Vous avez donc ça, c'est pour brancher un casque. Ça, c'est du HDMI. Ça, c'est du DisplayPort. Vous avez deux connexions HDMI 2.0, deux ports USB 3.0, un port USB-B, et ça, c'est de l'entrée DC-in, c'est pour l'alimentation. Nous sommes actuellement sur l'écran, donc l'écran a été branché. J'ai pu le tester un petit peu parce que ça fait quelques jours qu'il est installé. Donc l'écran est juste magnifique, j'arrive même pas à le prendre complètement dans le cadre, tellement qu'il est immense. Vous avez également ici le petit signe du Handgamer, avec des boutons personnalisables qui sont en bas, mais je vais pas pouvoir les montrer parce qu'ils sont en dessous de l'écran. Mais en tout cas, c'est juste magnifique. Alors, je vous propose actuellement, c'est de faire un petit test Full HD, et après en 4K, sur la capacité de l'écran. Voilà, donc là on se retrouve sur une vidéo que j'ai prise, donc c'est la vidéo de Greg le Geek, alias GLG sur What's the Stuff. La qualité est en 4K, en Full HD, désolé. Donc c'est de la Full HD, et le rendu des couleurs est juste magnifique. Ça rend super bien, j'en suis assez content. On va également avancer vite fait pour vous montrer vite fait de quoi je veux parler. Voilà, vous voyez bien que les couleurs sont assez naturelles. Pourtant, je n'ai pas configuré l'écran. Il n'est pas configuré, il est par défaut. Donc, vraiment, le visu des couleurs
Via vide l'écran, ça rend super bien. Et bonjour à toi, mon pote. Je vous propose de vous emmener cette fois-ci en Australie avec une vidéo des koalas. Alors non, je ne fais aucun placement de produit pour des centres de koalas, mais c'est juste le test de l'écran en qualité 4K qui est juste magnifique également. Vraiment, les détails sont bien retranscrits, on voit très bien, surtout si on est assez loin. C'est magnifique, regardez-moi ce koala qui dort et ce koala qui mange. C'est juste fabuleux. J'en suis vraiment très bluffé de la qualité de cet écran pour seulement 389 euros sur Cdiscount. On continue cette fois-ci le test en 4K. Donc là, nous sommes actuellement sur une vidéo de What the Stuff. J'en avais pas trouvé et du coup, Greg m'en a envoyé 4 alors qu'une suffisait. Et là, vous pouvez voir clairement, il y en a vraiment une immersion. C'est hallucinant. Alors, il faut savoir que je viens quand même d'un 60 Hz en 24 pouces. Et là, j'ai vraiment l'impression en fait que je suis dedans. C'est hallucinant. Alors, je sais pas si vous aurez la même impression en rendu vidéo, mais c'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Je m'attendais pas à ça. Clairement, je m'attendais pas à ça. C'est abusé. Vraiment, là, c'est abusé. Alors au niveau des couleurs, hein, ça rend super bien. C'est vraiment la colorimétrie est clairement naturelle. Vous pouvez voir même le Bouddha qui est même bien fait. Non, il n'y a pas de, il y a vraiment pas d'abus, etc. C'est magnifique. Voilà, donc le test du hand gamer va s'achever dessus. Bien évidemment, j'ai pu tester un petit peu vite fait en jeu vidéo, etc. Mais vous aurez une autre vidéo dans un mois où je vous dirai complètement mon avis complet dessus. Donc je vous laisse avec ces petites vidéos de koala filmées avec mon téléphone en 4K. Et je vous dis ciao tout le monde, à dans un mois pour le test complet du hand gamer. En attendant, vous aurez bien évidemment des tests antivirus et d'autres vidéos en informatique. Du coup, je vous dis ciao tout le monde!